Quindi io farei immediatamente la prima domanda, nel senso che io dicevo appunto no, come è stato il Job Act, anche questa Loa Travail è una modalità per estendere il meccanismo della precarietà a tutto il mondo del lavoro e del non lavoro. Quindi innanzitutto io chiederei che cos'è e perché appunto la legge El Khomri ha provocato e sta provocando questo movimento a cui stiamo assistendo in Francia. Bonsoir, désolée, je vais parler en français. Je crois que à la fois, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la loi travail, mais c'est aussi parce que c'est une loi qui est réellement importante, assez fondamentale en fait. Una legge che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma allo stesso tempo è anche una legge che è diventata molto importante. En particulier, les syndicats parlent beaucoup de l'article 2 qui fait polémique depuis le début, qui est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est un terme incompréhensible. Allora, in effetti, sì, i sindacati si concentrano sull'articolo 2 in particolare, perché è un articolo che di fatto inverte la norma, la gerarchia delle norme. En fait, le principe, c'est que donc en France, il y a un code du travail qui est supposé régir les relations des salariés dans les entreprises. Un code du travail qui a été dont tous les articles ont été arrachés par des décennies et des décennies de lutte. C'est pour ça que ce code du travail est énorme, parce que en fait, il y a eu des acquis sociaux au fur et à mesure que les gens ont arraché des droits. Allora, il codice del lavoro in francese è un codice molto vasto e ampio, che è stato determinato da anni e anni di lotte. Et Quindi le ogni principe. articolo, scusa, è stato qualcosa che è stato conquistato. Et le principe, c'est que ce code du travail s'applique au niveau national pour toutes les entreprises françaises. Et le principe fondamental, c'est que s'il y a des négociations à l'intérieur d'une branche professionnelle particulière, dans tel domaine professionnel, ou s'il y a des négociations au niveau d'une entreprise, les négociations ne peuvent aboutir qu'à des choses qui sont forcément meilleures que les lois imposées par le code du travail. C'est-à-dire, c'est pas possible théoriquement d'imposer des règlements au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau de l'entreprise inférieurs aux normes que pose le code du travail au niveau national et interprofessionnel. Allora, il codice del lavoro è applicato a livello nazionale e quando si deve contrattare, si devono contrattare degli accordi di settore, questi devono essere sempre favorevoli rispetto all'accordo nazionale, o altrimenti non vengono immediatamente parametrati in modo favorevole per tutti i settori che si trovano al di sotto delle garanzie date da un accordo nazionale. Et le fameux article 2 de la loi El Khomri, en fait, inverse ce système et considère qu'il peut y avoir des accords d'entreprise et des accords au niveau de la branche professionnelle qui remplaceront ce qui est prévu au niveau interprofessionnel et national. C'est-à-dire que ça inverse le processus, ça veut dire que des salariés qui peuvent être dans une toute petite entreprise, on peut les obliger tout d'un coup à avoir des conditions de travail du point de vue des horaires ou de la rémunération ou des conditions de licenciement qui seront plus mauvaises que ce qui prévoit le code du travail au niveau national. Donc avec cet article 2, on a vraiment un démantèlement au niveau conceptuel en fait des droits sociaux français. Dunque, l'articolo 2 di fatto viene intaccato perché il codice stesso che regge, quindi questi accordi nazionali che reggono l'insieme dei settori professionali, di fatto viene attaccato
permette ai differenti imprese, differenti settori, quindi anche per esempio una piccola impresa, ai lavoratori di una piccola impresa, di privilegiare, di fare degli accordi che sono peggiori, e quindi anche rispetto agli orari e rispetto ai salari, questo meccanismo viene invertito, e quindi se l'articolo 2 permette all'impresa di decidere, in realtà la maggior parte delle imprese, quando soprattutto nelle piccole e medie imprese, significa peggiorare le condizioni di salario, di orario e di lavoro. Et en fait, la philosophie de cet article 2, elle est dans tous les articles de la loi travail, c'est-à-dire que tout va dans le sens d'une individualisation des situations, c'est-à-dire que chacun est renvoyé à sa situation individuelle au sein de l'entreprise. Donc, s'il a la chance d'être dans une entreprise où ça se passe bien, voilà, mais après, c'est du cas par cas, en fonction, c'est-à-dire que c'est une loi qui vise à empêcher, en fait, la lutte pour des droits collectifs. Tout va dans le sens de individualiser les droits de chaque salarié. Questa legge va nel senso di trattare caso per caso e di individualizzare i rapporti tra lavoratori e impresa. Ogni lavoratore in realtà, se gli va bene, se si trova in un'azienda in cui le condizioni sono accettabili, diventa la stessa impresa, non può in realtà, in virtù di questa legge sul lavoro e di questo articolo 2 che in realtà si diffonde in tutti gli articoli della legge, si ritrova da solo isolato rispetto al padrone o rispetto al dirigente d'impresa. Et après, les articles en fait déclinent tout un nombre de règles qui en fait vont toutes dans le sens de la précarisation des gens qui travaillent, et pas seulement des gens qui travaillent, mais aussi pour les droits des chômeurs, par exemple. Questo riguarda non solo le persone, non solo i lavoratori che si ritrovano precarizzati, ma anche i disoccupati, i diritti di disoccupazione. Par exemple, nous, à la coordination des chômeurs des précaires, on insiste beaucoup sur l'article 52 de la loi travail, qui, en fait, en 2014, il y a eu une négociation en France au niveau paritaire entre les syndicats d'employeurs et d'employés sur la question de l'assurance chômage. Et dans ces négociations, le patronat avait imposé un système selon lequel la caisse d'assurance chômage, si elle n'avait pas reçu tous les papiers nécessaires, même si c'était de la faute des employeurs et pas des chômeurs, elle pouvait décider d'interrompre l'allocation chômage des gens qui se retrouvaient au chômage, et y compris saisir leurs biens directement sur leur compte en banque, sans passer par une décision de justice. Allora, quando si è trattato nel quadro degli accordi degli intermittenti sul lavoro intermittente e precario, quando si è trattato di affrontare la questione dell'articolo, nel loro caso era l'articolo 52, si sono resi conto che i padroni li potevano... in effetti potevano qu'il était possible de saisir l'argent sur le compte directement des chômeurs. Potevano interrompere le prestazioni di disoccupazione addirittura andando a recuperare i soldi, le prestazioni versate direttamente sul conto della persona del lavoratore disoccupato. Sans intervention d'un juge. Senza alcun intervento giudiziario. Et en fait, cet article, ce règlement-là,
le mouvement des chômeurs et des précaires était arrivé à le faire supprimer à la suite des luttes qu'on a menées en 2014. Et ça a même été annulé par le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française dans le domaine des lois. Questo grazie alle lotte fatte nel 2014 è stato, questa possibilità è stata eliminata e questo articolo è stato soppresso poi in seguito anche dal Consiglio di Stato, che è la maggiore autorità giudiziaria in questo, per quanto riguarda il codice del lavoro e non solo. Et donc ils ont, le gouvernement soi-disant socialiste a donc décidé de mettre dans la loi travail un article spécifique pour re-imposer ce règlement, alors donc, qu'on avait gagné devant les tribunaux pour l'annuler. Nonostante queste lotte, nonostante la vittoria anche dal punto di vista giudiziario, questa nuova legge, il Comri, di fatto introduce di nuovo questo articolo. L'articolo 14? L'article 52. La loi El Khomri. Oui. À nouveau. Donc il y a beaucoup de... C'est juste un exemple pour dire que toute la loi, c'est une série de provocations, en fait, contre les droits, en fait, non seulement des salariés, mais des précaires et des chômeurs. Donc toute la loi est un attaque, un provocatorio ai diritti des lavoratori, des disoccupati et des précari. C'est pour ça que quand ils ont sorti le projet de loi en février, je crois que c'est une originalité du mouvement que ça dure depuis 3 mois et demi déjà maintenant. Et quand cette loi est uscita, è stata presentata in febbraio, in realtà il movimento rispetto a queste lotte era già preparato. Il y a tout de suite eu une pétition, en fait. Le mouvement a démarré par une pétition sur Internet, ce qui est d'habitude, moi je ne m'intéresse pas beaucoup aux pétitions, mais là en l'occurrence, c'est une pétition qui a obtenu plus d'un million de signatures en moins d'une semaine. Oui, c'est per questo che subito, appena è stata presentata la legge, c'è stata un'immediata reazione in rete, tramite un appello che ha raccolto in una settimana 1.300.000 firme. Et après ça a été poursuivi par des jeunes précaires qui sur internet ont lancé un mouvement avec le hashtag on vaut mieux que ça, où en fait ils se sont mis à raconter leurs conditions de travail précaires. In seguito a questo appello c'è stato un movimento di precari che con l'hashtag valiamo più di questo ha diffuso, ha raccontato le proprie condizioni di lavoro e quindi è riuscita a comunicare a tutti i settori alla fine anche al di là dei precari, anche al di là del movimento dei precari. Et ça a été très intéressant parce qu'on a eu l'impression qu'il y a toute une génération qui racontait les conditions de travail dans lesquelles elle travaille aujourd'hui, y compris des témoignages sur des phénomènes de harcèlement raciste, sexiste, aussi le fait que très souvent le code du travail n'était pas respecté dans les petites entreprises, des gens qui étaient dans des conditions de travail de stagiaires, par exemple, pas payés, ou des gens dont on ne respectait pas les droits pour les questions des horaires ou de la question des pauses. Et il y a eu des milliers de témoignages qui ont déferlé sur Internet. Donc, des milliers de messages ont en base Internet racontant les conditions de travail des précaires dans les petites entreprises, les conditions de travail des stagiaires. E quindi di colpo c'è stata come una fotografia di una generazione di precari che denunciavano anche come il codice del diritto del lavoro non viene rispettato nella maggior parte delle piccole imprese. E a ce moment là, donc là on était fin février. À ce moment-là, les confédérations syndicales étaient bien obligées de faire quelque chose quand même. Donc elles se sont réunies et elles ont fixé une date de manifestation le 31 mars, c'est-à-dire presque un mois plus tard.
Et en fait, ça a provoqué la fureur de la base des salariés dans les syndicats. Allora, di fronte a questa situazione, le confederazioni sindacali hanno deciso di fissare una data e hanno fissato il 31 marzo, ma quindi è praticamente un mese dopo. E questo ha provocato l'ira delle basi che ritenevano il periodo, cioè pensi aspettavano che i sindacati reagissero in modo immediato e soprattutto che seguissero il movimento. Et en fait, c'est de la base des syndicats qui est parti un mot d'ordre de faire une manifestation dès le 9 mars, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que ce qu'avaient prévu les confédérations. Et elles ont été obligées, en fait, de suivre le mot d'ordre qui a été lancé à la base. Et quindi, finalmente, alla fine, la base sindacale ha anticipato le date, ha fissato una prima data il 9 marzo e ha obbligato quindi anche le gerarchie sindacali a seguire il movimento. Et pendant tout le mois de mars a commencé ce qu'on a encore maintenant, c'est-à-dire des manifestations presque tous les 8 jours à peu près, très importantes dans toutes les villes françaises et en particulier même dans des petites villes où d'habitude il se passe rien et là où tout d'un coup il y avait des manifestations importantes. Dans des petites villes de province, tout d'un coup il y avait une manifestation avec 5000 personnes alors que d'habitude il n'y a rien du tout. Et à partir de mars, praticamente ogni settimana c'era una scadenza sindacale, una qualche manifestazione che si praticamente in tutta la Francia, anche nelle città più piccole dove di solito non succede mai niente. Et ce qui a été très important au cours du mois de mars, ça a été l'entrée massive dans le mouvement des lycéens et des étudiants qui ont très bien compris que cette loi qui précarisait encore davantage les conditions de travail, ça les concernait directement. Il faut savoir que, par exemple, dans un département comme de la Seine-Saint-Denis, dans la banlieue de Paris, il y a déjà 70% des lycéens qui ont des emplois salariés. In questo mese di marzo la forza trainante del movimento sono stati i liceali e gli studenti. Bisogna dire che sono stati i primi anche a rendersi conto di che cosa significava la legge del lavoro rispetto agli stage. Bisogna dire che per esempio nella regione Île-de-France il 60% dei ragazzi che vivono nelle banlieue già hanno, cioè sono salariati e lavorano hanno dei contratti precari. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de séparation, si vous voulez, entre d'un côté le monde du travail où il y aurait la mobilisation syndicale et puis de l'autre côté il y aurait un mouvement lycéen ou étudiant. En fait, le mouvement lycéen et étudiant, il est complètement immergé dans le monde du travail déjà, parce qu'ils sont obligés de travailler dans des conditions précaires pour arriver à étudier. Allora, in effetti non c'è alcuna separazione tra il mondo studentesco e quello del lavoro, perché in realtà tutti i giovani, quasi tutti i giovani, sono obbligati a lavorare, a fare dei lavori precari per poter mantenere gli studi. Quindi non c'è un movimento studentesco. È un movimento sindacale o dei lavoratori, sono assolutamente integrati nei movimenti. Et donc c'est au mois de mars que ont commencé des phénomènes qui sont assez intéressants. C'est là qu'a commencé l'idée que il devait y avoir un cortège de tête à chaque manifestation, même si c'était les syndicats qui fixaient la date des différentes manifestations. Il a commencé à y avoir l'idée qu'il fallait prendre la tête du cortège avec une tête de cortège hors syndicat où il y aurait justement les jeunes précaires, les lycéens, les étudiants et les gens qui sont dans ces conditions de précarité. Donc c'est devenu un peu un jeu à partir des manifestations du mois de mars de prendre la tête des cortèges alors que d'habitude en France il y a les dirigeants des syndicats qui se mettent en première ligne de la manifestation
Et donc ça, ça a été cassé dès le début des manifestations du mois de mars. Quindi dall'inizio della manifestazione nel mese di marzo si è cominciato i precari, studenti e tutti i lavoratori o disoccupati che non hanno riferimenti sindacali hanno preso l'abitudine di formare la testa dei cortei e questo è stato evidente da subito. Anche di solito in Francia quando ci sono i cortei sindacali c'è lo spezzone di testa di tutti i sindacati che loro rappresentanti, ma non ha mai funzionato da subito, cioè, quindi è sempre, anzi la testa è sempre stato il punto di ritrovo di studenti precari, licei, liceali e universitari anche. Et en fait, ça a culminé, et je vais laisser la parole, tout ça a culminé, ça a été la plus importante manifestation le 31 mars, où c'est pour la manifestation du 31 mars qu'a émergé l'idée de dire, après cette manifestation-là, on ne rentre pas chez nous, c'est comme ça qu'on l'a raconté, c'est-à-dire qu'il y a eu l'idée d'occuper une place pour rester dans la rue après la manifestation. Et c'est comme ça qu'est née Nuit Debout, Place de la République à Paris, donc après le 31 mars. Et quindi dopo questa grande manifestazione fissata dalla Confederazione Sindacale il 31 marzo, ha culminato nella nuit, quello che poi è diventato la Nuit Debout. Perché è stato deciso di non rientrare, dopo la manifestazione, di non rientrare a casa, ma di occupare le piazze. La piazza, in questo caso, Place de la République. Appunto, io ringrazio Irene per l'esposizione di questo quadro della legge sul lavoro e della prima fase, se così possiamo chiamarla, dei movimenti in Francia di opposizione alla legge El Khomri.